des mois qui restent silencieux, en pleine tempête médiatique. Alors que la succession de Johnny continue de faire les gros titres, David Hallyday a réagi aux commentaires malveillants. Avec leur asthme, il vient tout juste de remporter une bataille clé contre leur belle-mère, Laetitia Hallyday, à Los Angeles. Et tandis que la succession de Johnny continue de déchaîner toutes les passions, David Hallyday fait une mise au point importante. Ça pollue mon esprit. Dans les colonnes de Télé Loisirs, l'interprète de Ma dernière lettre s'est livrée sans filtre, cette semaine. Lui qui ne parle pas souvent des démêlés judiciaires de sa famille a estimé que les commentaires malveillants lui polluent l'esprit. Et d'ajouter, je ne lis pas ce genre de truc. Et franchement, je n'ai pas envie. Dans les du cyclone depuis la disparition de son père, en décembre 2017, le chanteur raconte d'ailleurs, perdre quelqu'un, c'est suffisamment difficile. Alors, entendre des conneries à droite à gauche, toute la journée franchement, je suis pour les bonnes énergies, et les gens bienveillants. Le reste, je les laisse entre eux. Je les subis comme un viol. Très surpris de cette tempête médiatique, il confie, « Je ne sais pas ce qui se passe. » Je sais ce qui se passe dans ma famille, je sais ce qui se passe dans mon cercle d'amis, et de gens que j'aime, je sais ce qui se passe dans le monde important, je sais ce qui se passe quand les gens souffrent. Mais en ce qui concerne les déballages de trucs, je les subis comme un viol, et c'est tout ce que j'ai à dire. Hey, call. Hey, my body call. Hey, my body's high.